Au sommaire aujourd'hui, une mère et sa fille qui travaillent les pots de poisson sur le bassin d'Arcachon et elles en font de très belles créations. Avez-vous déjà essayé de compter les mouettes? Le biologiste Jean-Yves Monard, oui. Et à la pointe du Raz, ça lui a pris la moitié de sa vie. Bonjour à tous, bienvenue dans Littoral. Nous sommes sous les halles de Saint-Nazaire, du côté des poissonniers. Et c'est pile poil le sujet qui va nous intéresser cette semaine. Comment recycler les pots de poisson? Oui, vous avez bien entendu, comment recycler les pots de poisson? Eh bien, Monique et sa fille Marielle, elles ont trouvé la solution. Elles ont installé leur atelier à la Teste de Buch sur le bassin d'Arcachon pour recycler les pots de poisson. Une idée très respectueuse de l'environnement. Voici donc au menu poisson tanné, un film de Christophe Bourges. Avec ma mère, on s'est dit bah quand même, on pourrait créer des cuirs complètement inédits, puisque du cuir de sol, par exemple, jamais personne dans le monde en a fait, ou encore du cuir de bar ou de mulet. Et après, il y a des espèces un peu plus rares et saisonnières, comme les poissons du bassin d'Arcachon, qui là sont un petit peu mes cuirs de saison. Ça, c'est un gros maigre. Ah ben là, ça va faire un truc de dingue. Ah oui, c'est une jolie pièce. Hein. 28 kilos. Ouais. Un machin pareil, c'est pas tous les jours. Ah, impressionnant, un dinosaure. Ouais. Oh ben là, on peut faire carrément une paire de bottes. Hein. Des cuissardes même. Alors, tu vas pouvoir regarder la peau, là, tu crois? Ça va être chaud. Normalement, oui. C'est vrai? Oui. Et ça, c'est un cuir qui est intéressant. J'en ai déjà fait plusieurs fois, du comme ça. En fait, après, ça fait... c'est hyper joli. C'est un truc qui est complètement différent des autres poissons. Mais c'est vraiment une matière qui plaît bien. Tu fais bouillir la peau, tu fais quoi? Ah avec... non. Ah bon. Tout à froid. Sinon, d'accord. Tu fais de la soupe de poisson. C'est bon aussi, mais c'est pas le même... C'est pas le même métier. C'est pas plus difficile que de la vache ou qu'autre chose. C'est pareil, le métier est le même. Finalement, les pots ne sont pas qu'un déchet, on peut vraiment les valoriser et faire quelque chose avec. Et voilà, merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Bon courage, au revoir. Ici, on est sur le port de la Teste, c'est là où j'ai grandi et où je suis née. Ça n'existait pas, la tannerie de pots de poisson, et il y a beaucoup de poissons quand même sur le territoire. Donc c'est là où il y a l'atelier de peaux marines, où je travaille sur les peaux, donc notamment sur la partie crue du poisson, avant d'en faire du cuir. On peut écailler à l'eau douce, mais en fait le poisson se travaille beaucoup mieux directement dans l'eau dans laquelle il vient. C'est le début de la recette, donc c'est pour ça que l'eau est très très importante. Parce que si on part mal, on finit mal. Tout est une histoire de matière et de toucher dans le cuir. Puis alors le maigre, l'avantage, c'est que ça fait un cuir qui est naturellement souple. C'est peut-être la 3000e peau que je suis en train de travailler. C'est des étapes qui sont un peu fastidieuses. Mais en fait, ce que j'aime bien, c'est... Maintenant, quand je fais ça, j'ai plus l'impression de... Je vois en fait tout le travail qu'il y a derrière et toute la transformation. Puis après, quand on le voit sur un sac ou des chaussures, c'est quand même... C'est incroyable. À la base, j'avais fait des études en droit de l'environnement. Et bon, c'est vrai que je m'étais pas dit que j'allais faire un métier forcément manuel. Après, là, on fait carrément du recyclage de déchets. Donc, par rapport au droit de l'environnement, on est quelque part pas trop trop loin. Un vieil ébéniste m'avait dit qu'il laissait son bois dehors pour lui donner un coup de lune.
La nuit dernière, c'était la pleine lune. Le cuir, comme ça se patine au soleil, ça se patine aussi à la lune. Alors je les ai laissés dehors, effectivement, ils sont devenus rousses. Je fais un retannage parce qu'elles ont besoin d'absorber encore un peu le tanin. Alors le tanin, c'est du broyat d'écorce de mimosa. Et donc c'est ça qui va faire une action chimique au contact de la peau crue et qui va la transformer en cuir au bout d'un certain temps. Bah, la démarche écologique, c'est vraiment mon truc, c'est pour faire vraiment des cuirs complètement écologiques, sans produits chimiques, de manière à ce que ça respecte l'environnement. Alors les Allemands le font, en France ça se fait un petit peu aussi, mais voilà, sur les peaux de poisson, c'est vraiment ce que je veux faire. Est belle, plus elle a été travaillée à la main, donc si on veut faire vraiment du luxe, on va dire, il y a ces passages-là qui sont quand même obligatoires. Il n'y a pas de mal à travailler avec ses mains, au contraire. Il y a de plus en plus de gens qui sont diplômés de doctorat ou ce genre de choses et qui reviennent à l'artisanat français, donc c'est peut-être même l'avenir. J'ai travaillé donc pas mal avec ma mère pour effectivement arriver à faire du cuir. Salut. Ça va? Oui, et toi? Ah, t'as pris des huîtres? Oui. Ah, ça c'est cool, j'en avais envie. Mais elles sont dures à ouvrir. Ah bah dis donc, fais les ouvres vachement plus vite que moi. Ah hein. Oh, bah oui, j'ai l'habitude. Voici ma mère, et donc voilà, on a décidé de prendre un petit moment pour déjeuner ensemble aujourd'hui. Lors d'un de ses voyages, elle a découvert en 2003 le cuir de poisson, et donc son rêve c'était de pouvoir repartir en fait avec le manteau qui défilait sur une suédoise en saumon. Ouais, c'est vrai, ouais. Voilà, je voulais absolument le manteau, bon le manteau était vraiment très cher. Et je me suis dit, bah, tant pis, je ne peux pas me l'acheter, mais je vais essayer de savoir comment on fait et puis m'en faire un, quoi. Et 3 ans plus tard, elle n'a toujours pas le manteau. Très bonne. Ouais, elles sont bonnes. Elles sont pas mal. Ma nouvelle passion, enfin, c'est de trouver des couleurs et des couleurs naturelles pour teinter les peaux de poisson. Donc là, je vais peut-être essayer avec ces fleurs, si je peux faire une couleur. Voilà, donc j'ai déjà essayé la betterave, j'ai essayé plein de choses qui ne marchent pas. Et là, maintenant, il faut vraiment avec des fleurs qui ont vraiment un tanin ou une teinture, quoi. Celles-là, ce sont des statis. Et c'est des fleurs, des prés salés. Et c'est des très jolies plantes et on dit qu'elles portent bonheur. Celle-là, ça doit donner quand même bleu, hein, parce que j'en cueille un tout petit peu. Mais bon, voilà, il faut essayer. Ces plantes, personne ne s'en est servi pour faire de la couleur. Donc voilà, moi j'ai envie d'essayer. Et puis comme le cuir de poisson, pareil, quoi, avec des essais. Des fois, on a des énormes... On est très content du résultat. Hein. Parfois, des fois, non, c'est normal. Hein. Ce sont que des essais. Ici, on est chez moi, et c'est là en fait où je fais toutes mes couleurs et puis mes petits tests. Il faut laisser parler la créativité, donc voilà, il y en a partout. Alors, les ingrédients sont quand même secrets, puisque ça a pris quand même 3 ans pour trouver comment fallait faire. Alors là, je vais faire une patine avec du pigment métallifère argenté. C'est à la limite la partie que je préfère, c'est ça.
Les couleurs. Donc pour l'instant, je ne suis pas encore la spécialiste. En général, on devient spécialiste quand ça fait au moins 20 ans qu'on pratique. Dans 20 ans, je me vois à la tête d'une entreprise sympa. Je pense en fait un peu à la nouvelle tendance économique qui est en train de naître depuis quelques temps, notamment avec l'économie collaborative, ce genre de choses. Donc c'est plus comme ça en fait que j'imagine le futur avec vraiment un objet, un cuir environnemental. Il faut que ça sèche maintenant. Alors là, je vais voir une de mes clientes qui est maroquinière sur la teste de bûche et qui confectionne des sacs, des pochettes. Et notamment, elle travaille le cuir de poisson pour faire un petit peu des objets estampillés bassin d'Arcachon, voilà, avec cette particularité locale. Bonjour. Coucou Marielle. T'es en train de bosser sur du cuir ? Oui, en fait, là, je bosse une nouvelle couleur, donc j'essaye, toi, je teste la couleur du fil, comme j'aime bien être ton sur ton. Mais justement, je t'ai amené une couleur qui pourrait bien se marier. Ouais, montre-moi ça. J'arrive à faire plus souple maintenant. C'est un peu trop violet, mais... Ça, c'est pas mal. Je travaille rarement des pièces entièrement en cuir de poisson. C'est toujours mélangé avec du cuir. Donc c'est super à travailler, à associer, que ce soit sur du nubuck, sur du cuir lisse. Ça ouvre le champ des possibilités. Des fois, les gens croient que c'est une peau de reptile. Donc ils sont assez étonnés quand je leur dis que c'est du poisson, que c'est du poisson qu'ils peuvent retrouver dans leur assiette surtout. Ce qui me plaît le plus, c'est de voir en fait le cuir, comment il va finir. Et quand il finit bien, en fait, c'est hyper important pour moi. Enfin, c'est là où je suis contente et ce métier prend tout son sens. C'est quand même une idée qui est arrivée ici, là, parce qu'on habite ici, parce qu'on vit ici. Donc, et ce qui est important, c'est en rapport avec la mer, on est juste à côté. Enfin bon, je veux dire, cette idée-là à Paris, elle n'a pas lieu d'exister. Elle a lieu d'exister parce qu'on est sur le littoral, parce qu'on est ici, voilà. Par contre, on vend à Paris. Évidemment. Je rêve de demain, je sais pas, peut-être qu'on arrivera à valoriser en cuir toutes les peaux qui sont jetées en Aquitaine. Ça fera beaucoup de cuir. Hein. Eh bien moi je trouve ça pas mal cogité du tout, leur petite affaire à Monique et à Marielle. Une bonne raison de plus d'aller se promener du côté du bassin d'Arcachon. La Pointe du Raz accueille chaque année 800 000 visiteurs. C'est donc un endroit très prisé, mais beaucoup de ces visiteurs ignorent que les falaises abritent l'une des colonies de mouettes les plus importantes en France. Et un biologiste, Jean-Yves Monnat, a passé la moitié de sa vie à les observer et à les baptiser. Voici Le concierge des falaises, un film de Jacques Imogère. Tel un fantôme, il hante la Pointe du Raz. Les randonneurs ne risquent pas de le rencontrer. Et pour cause, le biologiste Jean-Yves Monnat, spécialiste mondial des mouettes tridactyles, doit sortir des sentiers battus et prendre des risques pour se rendre sur son lieu de travail, sa loge de conciergerie. Comme chaque jour, Jean-Yves retrouve ses mouettes tridactyles, des oiseaux hauturiers venus nicher en janvier pour se reproduire avant de repartir vers le Grand Nord en août. Cela fait 40 ans que Jean-Yves Monnat mate les mêmes falaises. Il observe ses mouettes, il sait tout de leur comportement. Faut dire qu'il les a vues naître.
Comme n'importe quel concierge d'immeuble, l'ornithologue biologiste fait partie de la famille. Je les connais presque individuellement, mais moi, tu pourrais me dire que je les ai fait sauter sur mes genoux quand ils étaient petites. Hein. La falaise, c'est ma seconde résidence, on peut dire ça. C'est un HLM parce que... Ben parce que les voisins sont très proches les uns des autres. Hein. Sur un même étage, il y a plusieurs appartements. Hein. Les voisins se connaissent, hein. Ils se connaissent et ils se reconnaissent à la voix. Au deuxième, dans mon HLM, il y a une bande d'allumés qui vivent à 6 ou 8 dans 60 mètres carrés. Il y a tout le temps de la musique, des anciens de 68. Il y en a un qui est chômeur, il y en a un qui est instit. Il y en a une, c'est ma sœur. Comme ça, relax, y a des matelas par terre. Des fois, on voit des querelles de voisinage. Hein, les oiseaux se menacent du bec, comme ça, hein, mais sans jamais se toucher. Et si, par exemple, un des adultes d'un nid est absent, les adultes du nid voisin font la police entre-temps. C'est-à-dire si un squatteur se met sur ce nid provisoirement, qu'il y ait des poussins ou pas de poussins, il se fait soit virer, engueuler, etc. Quoi. Tout à fait à la gauche de la corniche, il y a un cormoran qui est installé là où il y a normalement 3-4 000 mouettes. Ben, les mouettes, elles ont été obligées de déménager. Comme le cormoran a échoué très rapidement, ben, les mouettes sont revenues immédiatement. À la fin du printemps, c'est le coup de feu pour Jean-Yves. Les poussins naissent, il faudra tous les baguer. Et ici, on parle de centaines d'oiseaux. Il a donc besoin de renforts. Le travail est vraiment titanesque. Au niveau des... Pour Paul, combien on prévoit de... Il y a combien de poussins à peu près à la louche, il y a 25. Incapable de dire. Là, il y en a deux. Là, on est sur une trentaine. Une trentaine de poussins. J'en mets deux. Ces cartes, ce sont les adresses, ville, rue et numéro dans la rue de chaque nid actif cette année. Donc on part sur le terrain avec une cartographie, un peu un GPS intégré pour tout ce qu'on doit suivre chaque jour et éventuellement ce qu'on va baguer. Ouais, Jean-Yves, Paul est bientôt prêt à descendre, il va être sur le 9 à l'est, tu nous donneras la direction de descente. J'essaie même un peu plus haut peut-être. Le nid plus bas qu'il y aura à faire, c'est celui qui est situé le plus à gauche. Il y a 8 couleurs et 3 bagues. Donc ça veut dire qu'on a 512 combinaisons possibles de bagues. Quand il y a 2 poussins dans le nid, il faut en baguer un à gauche, un à droite. Parce que le jour où le premier des 2 poussins s'envole, lequel s'est envolé? Donc s'il y en a un de bagué à droite et l'autre à gauche, on sait lequel est parti. Ce bagage constitue la carte d'identité de l'oiseau. Les couleurs attribuées par le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris indiquent l'année de naissance, le pays, et la localisation très précise sur la falaise. Ainsi bagué, l'animal pourra être observé jusqu'à la fin de ses jours par Jean-Yves et son équipe. 400 mètres plus loin, dans une autre crique. Donc là, j'en ai 8 devant moi. 8. T'as aussi un nid à ta droite, tu le vois. Et puis, dans le... Ouais, voilà. Dans le décrochement derrière, 2 poussins. L'une des qualités importantes, c'est de bien anticiper les mouvements des poussins, éviter les mouvements brusques et essayer d'anticiper au maximum ce qu'ils vont faire.
S'ils ont un mouvement de panique, tout de suite retenir ses gestes éventuellement. Parce que l'un des risques, c'est que justement, ils se mettent à courir sur le bord du nid. Et puis, comme dit Jean-Yves, une patte dans le vide et l'autre dans rien. Et puis, voilà. Au début, bon, ils sortent de l'œuf. Ils ne connaissent pas du tout les limites du nid et encore moins l'aspect spatial. Et donc, du coup, bah, quand il n'y a pas les parents pour les garder au bord du nid, ils se baladent n'importe où et ils risquent de faire le grand saut. .183 pour l'aile, 1.83, pas de parasite. Je passe au frère. C'est vrai que quand on est en rappel comme ça, on est tellement concentré qu'on se rend pas compte vraiment de ce qui se passe autour. Mais au bout d'un moment, au 50e poussin, commence vraiment à être fatigué. C'est la tension en fait qu'il faut pouvoir endurer. Et ça nous est arrivé de faire des descentes de 7 ou 8 heures d'affilée comme ça. Tant que le bagueur, on va dire, tient, on continue. Tant que c'est acceptable au niveau météo, pour les poussins aussi, on continue. Bah, c'est plutôt tranquille. On est plutôt dans un petit monde à part. On a l'avantage d'avoir la vue, des vues sur l'une des grottes marines. On n'a pas de la terre. Et on fait la communion un peu avec les mouettes, avec les cris, c'est sympa. C'est pas la peine d'essayer de faire des nids qui sont à gauche. Il y en a un qui va se casser la gueule presque à coup sûr, celui où il y a un seul poussin. Donc tu remonteras pour la suite, tu remonteras au nid 123, 124 et 369. Jean-Yves, moi je l'ai eu comme prof quand j'ai commencé mes études ici à Brest. Et je l'ai eu comme prof, mais il ne parlait jamais de ses travaux. Donc j'ai découvert qu'il avait encadré des thèses sur les oiseaux marins. Je me dis, tiens, mais je le connais lui. En fait, je l'avais comme prof. J'ai découvert tout un pan de son activité que je ne connaissais pas du tout à travers les cours. Non, physiquement, c'est très dur quand même. J'arrête pas de lui dire en ce moment, économise-toi, parce que ça peut mal finir en août, c'est une grosse fatigue quand même. Bon, tant qu'il est partant, on le laisse faire. Cette étude a été mon enfant, je l'ai porté à bout de bras, vraiment j'étais seul. Et puis bon, puis j'ai 73 ans, donc il est peut-être un petit peu temps de laisser les autres se pencher un peu, quoi. J'ai reconnu en Emmanuel quelqu'un qui avait un peu la même attitude que moi vis-à-vis des données. Une honnêteté intégrale vis-à-vis des données. C'est-à-dire qu'on ne fait pas dire aux données plus qu'elles ne contiennent. Manu, c'est donc l'héritière de Jean-Yves, ce dinosaure de la mouette, ce bourreau de travail. Mais dans 30 ans, deviendra-t-elle, comme lui, la concierge des falaises? Bon, Jean-Yves, un terreau. Écrite? Non. On va tester tes souvenirs. Bon, j'écoute. Jaune, vert, orange, orange, bleu. Ah oui, ça doit être en X5. C'est ça. Une femelle. Mais là, c'est une falaise que je ne suis pas beaucoup, donc... Quand même, je ne suis pas beaucoup la falaise, non, effectivement. Même, elle me teste. Mais non, pas du tout. Chez nos ornithologues biologistes de la Pointe du Raz, demain n'est pas un autre jour, c'est le même qui recommence. Nous avons pris rendez-vous avec Manu, dans 30 ans, pour lui faire subir le même test d'état civil des mouettes tridactyles. Mais avant de prendre la suite de Jean-Yves Mona, elle devra effectuer un vrai travail de fourmi. On a compté que pour égaler le maître, elle devra consacrer 38 000 heures de sa vie à faire la concierge au pied des falaises. Ne contestez pas le chiffre, on a calculé. C'est à ce prix-là qu'à la retraite définitive de Jean-Yves, Emmanuel aura
le privilège de baptiser à son tour les futures générations de mouettes tridactyles qui peupleront la colonie cachée de la Pointe du Raz. Eh ben, rendez-vous est pris dans 30 ans alors, mais 38 000 heures de travail, ça fait un paquet quand même. Voilà, Littoral, c'est terminé pour aujourd'hui, mais n'oubliez pas que nous pouvons nous retrouver sur Internet. Salut à tous!